Nouvelle année, nouveau Gore-Tex et surtout nouveau vlog pour la chaîne Tackle Guru France. Donc comme je vous avais dit dans mon dernier vlog, mes vlogs prennent une nouvelle tournure, ça va être beaucoup plus professionnel, c'est filmé par un caméraman, donc ça vous apportera plus de trucs et astuces parce que on pense que vous aimez ce type de contenu. Donc c'est parti, je vais passer à la préparation de l'amorce et je vous présente où on pêche. Donc pour pêcher aujourd'hui, au niveau de l'amorce, c'est très simple. On est au milieu de l'hiver, on ne sait pas trop si la pêche elle va être simple ou compliquée. Donc j'ai préparé une amorce de couleur foncée, donc de la Supernatural All Round. Donc c'est une amorce fine qui travaille et qui a une couleur grise, donc qui est parfaite pour pêcher ici avec une eau claire et un fond assez grisâtre. Donc une fois que j'ai mouillé mon amorce, j'ai pris une grosse boîte que j'ai tamisée et à cela j'ai ajouté une grosse boîte de terre de rivière noire. Donc pourquoi de la terre de rivière noire? Bon, bah, pour rester dans la couleur foncée, surtout pour appauvrir mon amorce, l'alourdir. Et ainsi j'utilise un mélange à 50% d'amorce et de terre. Quand on pêche dans les eaux froides, c'est vraiment quelque chose de sûr. Ça permet de ne pas gaver le poisson. On va attirer le poisson avec l'attractivité de l'amorce, le nuage de la terre. Et on va les garder longtemps sur notre cou et pas les gaver parce que quand on est au cœur de l'hiver, les poissons ont quand même un métabolisme qui est beaucoup plus lent. Donc veillez à utiliser une amorce pas trop riche quand vous pêchez l'hiver. Donc pour ce nouveau vlog, on se retrouve dans la vallée de l'Eure. Donc là, on est sur un bras mort de la rivière l'Eure. Donc la rivière, elle a monté avec toutes les pluies qu'il y a eu ces dernières semaines. Et donc quand il commence à faire froid, les poissons, en général, ils se regroupent dans les bras morts, à l'abri du courant. Donc ici, c'est parfaitement le cas. C'est un endroit où je suis déjà venu pêcher plusieurs hivers d'affilée. Il y a toujours quelques touches à prendre. Alors on ne sait jamais la taille des poissons. Des fois, ça peut être la surprise des petits poissons ou des plus gros. Donc j'ai tout préparé, les lignes elles sont sondées, donc aujourd'hui c'est une approche très simple, j'ai deux lignes à peu près similaires, donc j'ai une 06 avec une antenne fine en fibre, donc pour pêcher avec des petites zèches, et après j'ai un pinger carbone donc en 0,75, donc lui avec une grosse antenne en plastique, et ça va me permettre de pêcher avec des zèches un peu plus volumineuses, parce que des fois quand les poissons se regroupent, pour sélectionner les plus gros, il va falloir utiliser des grosses zèches, et donc grosses zèches, ça rime avec une grosse antenne. Donc on va passer à l'amorçage, et c'est parti, ça pêche. C'est parti pour l'amorçage, donc l'hiver en général je privilégie un amorçage à la coupelle pour être précis et discret parce que surtout ici il y a un gros amas de poissons qui se réunit et donc du coup ça attire les brochets, donc tous les bruits qu'on peut faire ça peut risquer de les attirer et effrayer les garnons, donc je privilégie un amorçage à la coupelle, donc là j'ai réalisé 7 boules avec des pinky morts et un peu de maïs parce que je sais qu'ici ça peut sélectionner les plus gros garnons, donc c'est parti, on amorce. Donc comme quand vous pêchez au feeder, il faut prendre un point fixe sur la berge d'en face. Donc là c'est facile, j'ai des barrières en face. Et j'amorce un tout petit peu en retrait pour toujours avoir un peu une marge de manœuvre pour aller voir derrière mon cou. Et donc là, hop. Donc je vais déposer précisément mes 7 boules. Et après ça pêche.
Donc ça fait maintenant une heure et demie que je pêche. Il y a des touches régulières, c'est plutôt des petits poissons. Donc je vais mettre ma ligne 2,060 de côté et je vais passer sur ma ligne un peu plus agressive, donc avec un pinger en 0,75 et une grosse antenne. Et là je vais grossir les zèches, donc ça va être ça peut être deux gauzeurs, un maïs, voire un demi-grain de maïs, et on va voir si ça sélectionne la taille des poissons, parce qu'il y a quelques jolis garnons qui sont venus se mêler aux petits garnons. Donc si on peut sélectionner cela, ça permettra de passer vraiment une super journée. Donc ça fait maintenant un petit moment que je pêche au maïs, et donc comme je l'avais prédit, ça a complètement changé ma pêche. Alors c'est beaucoup plus lent, il faut laisser pêcher la ligne plus longtemps, mais j'ai vraiment une moyenne de poissons qui a triplé de volume. On a quelques beaux garnons à mettre à l'épuisette. Alors comme vous pouvez voir, j'ai oublié mon manche d'épuisette, il a fallu que j'improvise pour la caméra avec un pic et mon épuisette. Mais ça a été, pour le moment, il n'y a pas eu de gros poissons surprise, donc j'ai pu épuiser gentiment les beaux garnons que j'ai pu prendre. Et donc, juste un petit point, quand vous pêchez au maïs, avec des grosses zèches pour sélectionner les garnons, ce qui est vraiment très, très, très bon en hiver, quand il y a des regroupements de poissons, on peut vraiment sélectionner la taille des garnons en utilisant des graines. Ce qu'il faut, c'est adapter votre ligne. Donc forcément, il faut utiliser quelque chose d'un peu plus solide, parce que on est amené à peut-être à toucher, ici ça peut être une tanche ou une grosse brame, donc il ne faut pas pêcher en dessous de 10 centièmes au niveau du bas de ligne, et surtout avoir un hameçon d'assez grande taille. Donc là j'utilise un pôle spécial, donc en taille 16, et je sélectionne un petit grain de maïs dans ma boîte, et je viens le piquer sur le flanc, et je laisse avoir la pointe qui se dépasse le plus possible pour essayer de solder toutes les touches par un poisson dans la bourriche. Et ça passe aussi par une ligne adaptée. Et donc là, il n'y a pas un meilleur flotteur que le pinger carbone pour pêcher au maïs, les garnons, parce qu'on a une forte antenne en plastique. Donc on a de la portance pour avoir des touches bien marquées et surtout avoir de la portance pour ne pas avoir un flotteur qui coule avec le poids du maïs. Et ça, couplé avec une quille carbone, ça permet de voir les touches même en relevé, parce que souvent aujourd'hui les touches elles sont en deux temps, j'ai un petit coup du poisson, et souvent quand je fais un petit relevé comme ceci, j'ai la touche derrière et ça se solde souvent par un relevé ou alors une touche vraiment éclair, et on a un beau garnon qui est au bout. Donc si vous pêchez au maïs, pensez à utiliser une ligne adaptée, c'est vraiment important. Donc même si on est en hiver, il ne faut pas être feignant sur les rappels, parce que bah, comme vous pouvez le voir, là il y a eu une petite chasse de brochets. Donc les poissons ils sont dérangés, et surtout on a beaucoup de poissons qui sont réunis dans un petit espace. Donc je pense qu'ils mettent à mal le coup, ils mangent tout ce qu'il y a dessus.
Donc je fais des rappels réguliers, alors pas avec des grosses quantités d'amorce, mais vu que je pêche au maïs, ce que je fais, c'est que je mets toujours une quinzaine de grains de maïs avec une petite boule d'amorce bien serrée. Et ça permet de recentrer les poissons sur le coup, surtout quand ils ont été dérangés par des brochets ou ça peut être aussi d'autres gros poissons qui passent dans le coin et qui mettent un peu le bordel sur le coup. Et donc je privilégie toujours la coupelle pour un souci de précision et aussi pour faire peu de bruit et essayer de pas trop attirer les poissons qui sont nuisibles pour moi aujourd'hui et qui sont les brochets. Un petit tip, quand vous pêchez les gardons au maïs, à la période hivernale, j'essaie toujours de jeter ma ligne derrière mon cou. Donc vu que j'ai amorcé 50 cm en retrait avec ma mini extension, là j'ai ma canne pleine barre et je viens lancer ma ligne derrière. Et comme ça on va avoir une descente du maïs vraiment naturelle et souvent les plus gros gardons ils se trouvent derrière l'amorce, particulièrement ici avec une eau très claire. Donc pensez à le faire, des fois ça peut vous rapporter gros, aujourd'hui ça m'a rapporté. Voyez, là j'ai loupé la touche, mais il y a une touche tout de suite. Et je pense que la descente naturelle du maïs, couplée avec une plombée assez haute, donc qui permet d'avoir une descente naturelle de votre maïs, ça peut déclencher des touches. Et des fois, on a la belle surprise de prendre un joli gardon de plus de 500 grammes. Ici, ça m'est déjà arrivé les hivers passés. Et aujourd'hui, ça m'a permis aussi de prendre quelques gardons supplémentaires quand il n'y avait plus trop de touches sur mon cou. J'ai jamais hésité à aller voir derrière. Tournez un peu autour de votre amorce. Ici, il n'y a pas de courant, donc les poissons ils peuvent être à gauche, à droite. Et même des fois, ils peuvent être en retrait. Ça, c'est la particularité des gardons. Ils ont faim, ils mangent, mais ils sont aussi craintifs du fait de l'eau claire et de la prédation des brochets. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et donc, toujours penser à faire vivre votre grain de maïs par des petites pompettes. Aujourd'hui ça m'a permis de déclencher quelques touches, donc ça met un peu d'attraction dans le fond et ça éveille la curiosité des gardons qui sont des poissons très curieux et très agressifs quand ils ont faim. Avant de clôturer ce vlog, je vais vous parler des deux lignes que j'ai utilisées pour pêcher aujourd'hui. Donc la première, donc là qui m'a servi en début de pêche et en fin de pêche, une fois que la luminosité est tombée, il a fallu que je pêche avec des petites zèches, des pinkies pour avoir des touches. Donc déjà, c'est une ligne en 0,6 g avec une antenne fibre, donc ça apporte visibilité et sensibilité, donc c'est parfait pour prendre des petits poissons rapidement. Donc j'ai un baline d'une quinzaine de 15 cm, donc avec un hameçon super fine pole en 18, ça me permet d'écher un pinky, deux pinky, voire un gozer. Et ensuite j'ai une plombée vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Une à la boucle, un plomb de touche, 15 cm plus haut, un autre plomb de touche, 15 cm au-dessus, un autre plomb de touche, et 7 cm plus haut, la masse principale. Donc ça m'a permis de prendre un peu tout ce qui venait sur le coup.
Et donc pour prendre et sélectionner les plus beaux poissons, j'avais une deuxième ligne. Donc elle équipée d'un flotteur en 0,75, un pinger carbone. Donc ça a une grosse antenne porteuse, donc ça m'a permis d'utiliser des âges volumineuses telles que le maïs. Et donc j'ai encore un baline de 15 cm. Et là par contre j'ai un hameçon pôle spécial en 16 avec un baline en 10 centièmes parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ici je pense qu'il a fait très froid cette nuit, donc ça n'a pas trop mis en appétit les beaux poissons, mais des fois on a des grosses tanches ou des brèmes même en plein hiver. Et ensuite pareil, un plomb de touche, exactement la même plombée, 15 cm plus haut un autre plomb, 15 cm plus haut un autre plomb, et 7 cm ma masse principale pour avoir une descente très naturelle du maïs et obtenir vraiment la présentation parfaite et des touches à la descente qui peuvent arriver régulièrement au maïs. Donc voilà pour les lignes. Et donc pour l'èche, ce qui m'a rapporté le plus de poissons et surtout une meilleure moyenne de touche aujourd'hui, c'était un petit grain de maïs. Donc je sélectionnais le plus petit grain de maïs que je pouvais trouver dans ma boîte de maïs. Et après, je léchais en ayant toujours la pointe qui est le plus dégagée possible, parce que les gardons ils sont assez agressifs quand ils prennent le maïs et il faut avoir une pointe le plus dégagée possible pour espérer les piquer le plus rapidement possible. Voilà, dernier poisson pour la caméra, dernier poisson du vlog. Donc on aura passé une bonne journée d'hiver, bien dans le froid. On vous aura montré qu'il est possible de prendre des poissons même au maïs en plein hiver. Donc il a fallu alterner avec les deux lignes. En fin de pêche, il a fallu que je rajoute un bout de ma canne pour pêcher derrière et déclencher des touches. En tout cas, c'était une super journée. On vous a démontré que si on choisit le bon endroit, des endroits comme celui-ci, il y en a beaucoup en France, des ports, des petites marinas ou des bras de rivière. Vous pouvez cartonner et passer une bonne journée, profiter des quelques heures qui sont où il y a un peu de soleil durant l'hiver. Donc si vous avez aimé le vlog, on vous invite à mettre un pouce. Bien sûr, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et surtout, si vous avez des idées de vlogs à venir dans l'année, n'hésitez pas à le poster en commentaire. À bientôt !